bonjour bonjour bonjour. Euh, je suis très heureux de vous retrouver ce matin parler de l'actualité de la crypto monnaie et du monde merveilleux de la blockchain voilà euh, nous sommes dans la nature encore une fois de plus pour sortir un peu du carcan de la ville voilà euh, ça irait un peu l'esprit et puis méditer un temps soit peu voilà donc ce matin euh, nous allons parler euh, de sango et la dernière fois nous avons parlé des baby doge qui a où il y a eu beaucoup de commentaires, les gens ont donné leur avis. Voilà, donc euh, pour le, le fait que Baby Dog voulait lancer une nouvelle crypto monnaie qui apparemment, en tout cas la communauté n'est pas partante. Donc nous allons euh, observer et quand il y aura des rebondissements concernant ce sujet, voilà, si ça a été le projet a été apporté, alors nous allons vous donner l'information. Euh, continuez toujours de, de payer massivement cette petite crypto monnaie qui a du potentiel. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, la première action c'est d'activer les cloche de notification. Abonnez-vous et partagez massivement les vidéos. Voilà. Et ceux qui veulent aussi faire aussi des dons à la chaîne pour l'évolution de la chaîne, alors même un don de 1 dollar peut apporter un plus à l'évolution de cette chaîne. Voilà. Donc ceci étant dit, nous allons aborder le sujet qui est Sango ce matin. Alors Sango, pour ceux qui viennent de connaître cette crypto-monnaie, c'est la crypto-monnaie qui a été lancée. Par la République centrafricaine, par l'intermédiaire de son premier responsable, le président de Toadera. Ok Donc cette crypto monnaie qui est dans une phase de prévente. Alors au fur et à mesure, nous avons lu le livre blanc de la crypto monnaie qui est très intéressant. Ça fait 33 pages, tout est en anglais. Alors nous avons traduit cela et au fur et à mesure, nous allons donner les informations concernant euh, comment on appelle l'évolution de cette crypto monnaie. Afin que vous puissiez profiter au maximum des opportunités qui s'y trouvent. Voilà. Donc, euh, la dernière fois nous avons dit concernant le minimum d'achat, c'était 500 dollars pour ceux qui veulent acheter. Voilà. Mais j'ai eu euh, dernièrement, euh, comment on appelle, un de mes abonnés aussi euh, un ami qui m'a envoyé un message disant que voilà ce minimum devait passer à 100 dollars parce que nous avons critiqué. Dit que bon, la Centrafrique étant un pays en voie de développement, alors ce minimum de 500 dollars peut paraître peut-être euh, forfaitaire pour certaines personnes, mais c'est assez lourd. Quand on regarde le PIB national, quand on regarde même le PIB national, quand on regarde euh, comment le SMIG, alors on se rend compte que euh, 500 dollars, c'est pas à la portée de toutes les bourses, plus de 300 000 francs CFA. Alors du coup, euh, il, il semble que. Nous avons été entendus alors que voilà, euh, ça serait revu à 100 dollars le minimum, même si Pepe descendre encore pour aller autour de 10 dollars même le minimum pour l'achat. Parce que ce qui est important ici, c'est quoi C'est que que ce soit euh, les, la population de la République centrafricaine et toute la population africaine qui adopte cette crypto monnaie, comme de la manière nous sommes en train de faire la promotion autour du Shiba. Alors, ça serait intéressant que le minimum pour pouvoir acheter, acquérir au moins la pièce. Sango qui fait, comment on appelle, on va dire, qui est cette figure emblématique qui va donner au moins une lumière sur l'Afrique pour dire l'Afrique peut lancer une crypto-monnaie et elle peut être une crypto-monnaie très importante. Alors, il faut que tous les Africains puissent avoir. Alors, un 10 dollars pour le minimum d'achat serait intéressant parce que la dernière fois, nous avons parlé de 100 dollars. Alors, ils ont apparemment commencé à penser à 100 dollars parce que le lancement des achats se passe aujourd'hui 25. Alors, euh, euh, comment on appelle Quelqu'un a écrit. Euh, comment on appelle Je euh, vais afficher tout à l'heure ce que j'ai reçu là. Voilà, donc euh, ils ont dit qu'ils allaient permettre aux gens de commencer à les achats à partir de 100 dollars. Alors moi, je demande qu'on descende même à partir de 10 dollars. Voilà, pour que tout le monde puisse avoir un peu de sango. Voilà. Parce que tout qu'on fait, les gens qui vont acquérir ces sango, ils ne vont pas les utiliser immédiatement. Alors c'est bloqué sur au minimum 3 ans. Alors ils vont recevoir aussi. Euh, certainement des dividendes pour avoir bloqué. C'est comme si c'est du staking que nous sommes en train de faire. Voilà, alors quand on fait du staking quelque part, alors quand on bloque nos, 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 nos crypto-monnaies sur une plateforme, on reçoit des réflexions, on reçoit des dividendes. Alors ces dividendes-là seront versés. Alors si c'est le cas ici, parce que j'ai vu ça dans le livre blanc quelque part là-bas, alors vous allez comprendre que ça va être très intéressant, non seulement pour Sango, parce que le prix va croître. Mais en même temps aussi, ça va créer ce qu'on appelle l'adoption massive autour de cette crypto-monnaie. Alors, moi, je propose qu'on passe jusqu'à 10 dollars le minimum d'achat. Voilà. Donc, nous allons continuer. Euh, concernant aussi euh, les différents cycles, il y, a eu, il y a plusieurs cycles pour les différents achats. Alors, le premier cycle, on appelle ça le cycle Genesis. Alors le cycle Genesis, comme je l'ai dit, le minimum était fixé à 500$. Alors je ne sais pas ce matin, ceux qui vont essayer de faire les achats, alors vous allez vérifier si ce minimum est resté tout aussi 500$ pour le cycle Genesis ou bien si c'est passé à 100$ comme nous avons reçu comme information pour le changement. Alors vous allez nous dire ça en commentaire. Maintenant, selon les informations eh, bien avant la mise à jour des 100$, là, alors on a reçu l'information qu'il y aura au moins 12 cycles. Voilà, donc le premier cycle s'appelle Genesis, 500 dollars. Ensuite, il y aura 12 autres cycles. Et ces 12 autres cycles-là, alors, vont s'étaler. Et sur, après, après, après Genesis, qui, va, qui a commencé et qui termine généralement à partir du, 20, euh, du 25 août prochain, le cycle Genesis va finir. Le premier cycle finit le 25 août prochain. Ça veut dire que ça a duré un mois. Après les un mois, il va y avoir 12 autres cycles. qui vont s'étaler sur un an exactement. Donc, ils vont partir du 25 août euh, non, en fait, du 25 août 2022 au 25 août 2023. Ça va durer un an. Voilà. Alors, les différents prix vont se succéder euh, durant ces différents euh, étalages de cycles. Voilà. Donc, euh, comme je l'ai dit, ça commence à 0,1 Ensuite, on passerait à 0,15 Et on a terminé le ICO, la prévente, à 0,45 pour l'unité. Voilà ce qui va se passer. Mais cela va s'étaler sur 12 mois. Exactement selon ce qui a été dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on va acheter concrètement Alors, vous avez votre argent, vous venez vous échanger cela contre du Bitcoin, vous échangez cela contre du DAI ou bien du USDT ou bien du Binance Mathienne. Alors, quand vous avez échangé cela, vous partez payer vos sangos. Quand vous payez vos sangos, c'est bloqué sur trois ans. C'est fait exprès pour ne pas que les gens viennent spéculer dessus pour faire diluer le prix. Alors, quand vos sangos sont bloqués sur euh, une certaine période, alors, certainement que nous allons avoir des dividendes parce que j'ai vu quelque part là-bas, euh, dans les énoncés, on parlait des dividendes. Donc, parce qu'on ne peut pas bloquer son argent comme ça pour rien. Alors, Sango, c'est de l'argent. Quand vous bloquez, c'est comme si c'était du staking. Certainement que nous allons avoir des dividendes. Mais j'en saurai plus euh, euh, dans l'évolution du, 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 du projet. Je vous en dirai plus concernant les dividendes. Maintenant, une fois que c'est bloqué, alors vous allez patienter et on va voir le, le, le projet continuer. Quelle, quelle chose on va payer encore quand on a fini de payer, eh, comment on appelle, concernant le sango, quand on a fini de payer tout ce qui, eh, eh, comment on appelle, est eh, la pièce sango, on a fini de payer avec no, notre argent, que ce soit 500 dollars, 100 dollars, 10 000 dollars pour ceux qui peuvent. Alors, quand on a fini de payer ça, qu'est-ce qu'il reste à faire Alors, il y aura aussi l'achat de des terrains, le foncier, il y a le e résidence, et puis euh, voilà, il y a euh, comment on appelle. Euh, tout ce qui est citoyenneté aussi du pays, citoyenneté virtuelle qu'on peut aussi acquérir. Ça, j'ai déjà parlé de ça dans une vidéo déjà passée. Alors, ici, qu'est-ce que nous allons euh, comprendre à travers ce, que nous, ce, qui, ce, qui concerne, ce qui concerne le sango Alors, une fois que tu as tes sangos, c'est comme si tu as de l'or, c'est comme si tu as du diamant, parce que ça serait de, du diamant, de l'or, du maranèse, tout ce qui est minéral qui sera évalué par des experts internationaux des indépendants qui vont venir évaluer. Par exemple, si on dit qu'on veut tokeniser de l'or, alors ils vont venir évaluer, est-ce que exactement vous avez de l'or Vous avez combien de tonnes d'or Alors, une fois que c'est connu, ils vont tokeniser cela, ils vont implémenter cela dans la blockchain. Alors, vous allez, les sangos seront adossés à ça. Alors, en détenant ces sangos, c'est comme si vous déteniez de l'or. Voilà ce qui va se passer concrètement. Donc ceux qui ne vont pas pouvoir payer les terrains, alors vous vous rabattez carrément sur le sango, parce que c'est comme si en payant le sango, tu payes de l'or, tu payes du diamant, tu payes du maranèque, tu payes de l'uranium, tout ce qui sera tokenisé avec le sango, alors c'est comme si tu possèdes cela. Et tout ça aussi va prendre de la valeur aussi. Voilà ce qui est intéressant dans le projet. OK, maintenant concernant les terrains, voilà, nous avons aussi l'information dans le wallet là-bas que les terrains seront évalués autour de 10 000 dollars. Ce qui n'est pas aussi à la portée de toutes les bourses. On nous dit que les e-résidences, voilà, euh, pour avoir le foncier là-bas, alors on sera autour de 10 000 dollars. 10 000 dollars pour le métavers, rentrer dans le métavers, c'est-à-dire quand tu payes un foncier, c'est-à-dire quand tu payes un terrain, alors ce terrain que tu as payé ici, 10 000 dollars que tu as payé là, c'est comme si c'est une résidence privée sur l'île au crypto que tu, tu, tu obtiens, et dans le métavers, et en même temps dans la vie réelle. Mais 10 000 dollars, ce n'est pas la portée de toutes les bourses aussi. S'ils peuvent aussi redescendre aussi le côté de terrain, peut-être jusqu'à 1 000 dollars ou euh, 500 dollars pour avoir un terrain dans le, comment, dans le métal vert là-bas et puis en même temps, euh, par ricochet, dans euh, l'île euh, au crypto, ça serait vraiment intéressant. C'est vrai que c'est des coins assez résidentiels, selon ce qui a été dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des coins moins résidentiels? Où les gens aussi peuvent payer des terrains à partir de 500 dollars, peut-être pour monter, même à partir de 100 dollars pour monter, c'est pas mauvais. Voilà, donc ça va faire que les terrains aussi seront aussi beaucoup euh, visés par les gens, parce que pour la plupart, même si on descend le prix des sangos à 10 dollars l'unité, alors là, les gens vont beaucoup payer le sango. Mais le côté terrain là, vraiment, ça serait pour des privilégiés. Voilà, parce que dans le projet on parle de e résidence, e-résidence dans les quartiers privés, quartiers privés dans le métavers et dans la vie physique dans euh, l'île au crypto. Voilà, 10 000 dollars, ce n'est pas la porte à côté. Voilà ce qui est dit euh, de façon générale sur le projet Sango. Pour ceux qui euh, souhaitent payer, euh, comment on appelle, euh, les terrains, voilà, c'est 10 000 dollars. Maintenant, pour la citoyenneté, 60 000 dollars bloqués en Sango. Pour ce qui concerne, euh, comment on appelle, les e résidences voilà, donc vous savez déjà, on a déjà fait une vidéo sur tout ça. Voilà, donc euh, c'est des informations complémentaires ici, de savoir que voilà, à partir de, de maintenant, les, les paiements de sango sont faits, alors ça serait bloqué sur trois ans. Alors certainement qu'on va avoir des dividendes pour qu'on puisse patienter. Et ensuite aussi, les terrains aussi seront disponibles dans le métal vert très bientôt aussi. On, on vous en dira aussi davantage sur tout ça. Donc, puisque c'est un projet continu. Au fur et à il y a des mises à jour. Parce la musique, il y a des mises à jour, on sera informé. Et nous aussi, on viendra ici pour vous informer. C'est un projet qu'il faut soutenir. La Centrafrique fait quelque chose d'extraordinaire ici. Voilà, c'est un, c'est le premier pays africain qui est en train d'adopter la crypto monnaie. Alors si, eh, comme on appelle, il n'y a pas eu de précédent avant, c'est-à-dire. Comme il n'y a pas eu de précédent, certains pensent qu'ils vont se casser la gueule. Alors, nous, 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 nous on pense le contraire. Nous soutenons le projet et nous soutenons le président qui est eh, la figure emblématique de ce projet. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui ne sait rien, c'est quelqu'un, c'est un sachant. Alors, c'est quelqu'un qui connaît eh, le, la profondeur des crypto-monnaies qui a analysé pendant des années avant de se lancer. Alors, tout ce qu'il demande, c'est le soutien. Tout ce que nous pouvons faire ici à travers nos chaînes. Les, les autres monnaies que nous présentons ici, on ne connaît pas les propriétaires, hein? on ne les connaît même pas. Mais on les présente ici. Alors rien ne nous empêche ici aussi de parler du sango en bien. Et comme je le dis, s'il y a quelque chose aussi à critiquer aussi concernant par exemple le prix et tous les autres, alors nous allons en parler pour qu'ils améliorent. Voilà, on aide un enfant qui soulève la main. Alors comme ils ont soulevé la main, on va aider. Comme le comme le ministre aussi avait dit là-bas aussi, c'est en marchant qu'on marche. Voilà, donc ils sont en train de marcher, on va marcher avec eux. S'ils tombent, on va, se... on va tomber ensemble, on va se relever, mais on est en train de marcher quand même. Un enfant qui tombe là, il ne reste pas à terre. Après, il va se lever, il va faire les quatre pattes, il va se débrouiller quand même. Un matin, il va commencer à courir. Mais il a commencé quelque part. Donc nous aussi, comme ils ont commencé, on va les soutenir pour arriver où on doit arriver. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur le Sango et toute l'actualité qui tourne autour de cette crypto-monnaie africaine. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent faire les formation en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Voilà, mon numéro est dans la description et sur la vidéo. Alors, rentrez en contact pour les différentes formations. La formation, la prochaine édition au niveau euh, de San Pedro, la deuxième édition. Alors, c'est avec le, le leader Tebi Joseph et le leader Sengo que vous devez vous inscrire pour les différentes formations qui auront lieu à San Pedro. Voilà, la formation au niveau d'Abidjan, la quatrième édition cette fois-ci. C'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Alors, c'est prévu pour le 13, le 14 et le 15 août prochain à Abidjan, à la bourse de travail. Donc, rentrez en contact avec le leader Bill, Elisabeth et, et Georgette pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Mans, voilà, c'est pour le 3, le 4 septembre prochain à Mans avec le leader euh, Nyawa. Alors, rentrez en contact rapidement pour vous inscrire au niveau de Mans. Bientôt aussi, nous allons annoncer aussi la date aussi pour la formation au niveau d'Abengourou qui se présente activement aussi pour recevoir sa formation. Alors vous allez rentrer en contact au niveau d'Abengourou euh, avec le leader qu'on appelle uh, Yapi pour vos différentes inscriptions dans la zone d'Abengourou. La zone de Daoukoro va accueillir. Alors vous allez être accueilli par le leader qu'on appelle uh, Yaya pour vos différentes inscriptions à Korogo. Alors nous avons le leader qu'on appelle... Uh, DJ, pour vos différentes inscriptions. Alors, à l'international, à Ouagadougou, voilà, euh, nous avons déjà fait deux éditions là-bas. La troisième édition qui se prépare, avec le leader, toujours Dieu donné, le leader charismatique, Dieu donné. Alors, rentrez en contact avec lui pour rapidement vous inscrire afin que nous soyons à Ouagadougou pour votre, euh, comment on appelle, euh, formation. Voilà, la formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle euh, Mahama que vous devez interagir. Pour vos différentes inscriptions au niveau du Sénégal. La formation au niveau du Togo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors ainsi, on va boucler avec les représentants et au niveau de Boaké, c'est avec moi-même que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Voilà, tout a été dit. Pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom, alors les, les numéros se trouvent dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller vérifier là-bas et puis bon, rentrez en contact avec différents responsables pour, 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 pour vos différentes inscriptions dans, votre, dans vos différentes zones. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance alors. Essayez l'ignorance parce que tout compte qu fait, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ben nous sommes en train de poser des actions concrètes. Alors, ces actions concrètes vont donner des résultats concrets. Même si c'est tous les matins que tu te réveilles pour faire un petit, petit, un petit jogging, petit à petit, un jour, ça va avoir un impact sur la vie de façon physique. Alors, ne reste pas dans cette procrastination. Pour pouvoir changer ta vie, tu dois mener des actions concrètes et tous les jours. Et cela va avoir un impact considérable sur ton avenir. Merci à vous et à la prochaine.